Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour jouer à des jeux VR, donc des jeux PC VR avec votre Steam Deck et un casque VR, le casque VR MetaQuest 2 ou le casque VR MetaQuest 1 ou bien les anciens noms Oculus Quest 1 ou Oculus Quest 2. Donc dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire de la réalité virtuelle avec votre Steam Deck. Donc je tiens à rappeler que si vous voulez acheter le Steam Deck uniquement pour jouer à des jeux PC VR avec un casque VR comme le MetaQuest 2 ou MetaQuest 1 ou Oculus Quest 1 ou Oculus Quest 2, je vous déconseille parce que même si la VR fonctionne assez bien sur le Steam Deck, elle ne fonctionne pas de manière optimale, elle fonctionne pas, on va dire, suffisamment bien pour justifier l'achat du Steam Deck uniquement pour jouer à des jeux PC VR. Mais on a quand même la possibilité de jouer en VR et on va découvrir comment faire ça dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. La première étape, ça va être d'installer Windows 10 sur son Steam Deck, soit directement sur le disque dur principal ou bien en dual boot. Donc pour cela vous cliquez sur cette vidéo là, je mettrai le lien de ma vidéo dans la description de cette vidéo là qui s'appelle installer Windows 10 en dual boot sur votre Steam Deck. Donc pour cela vous avez besoin d'une carte micro SD et d'autres choses, mais je parle de tout ce que vous avez besoin pour installer Windows 10 dans votre Steam Deck. Donc vous l'installez, vous suivez cette vidéo, etc. Je vous dirai des conseils, etc. pour bien installer Windows, etc. Et ensuite, une fois que Windows est installé, on passe à l'étape suivante. Ensuite, l'étape suivante, ça va être d'installer directement Steam sur son Steam Deck. Donc, vous cliquez sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo pour accéder directement au lien pour télécharger Steam pour l'installer sur Windows 10 sur son Steam Deck et à la fois le logiciel Oculus si vous avez aussi des jeux PC VR sur le store Oculus PC. Donc, vous téléchargez ces deux logiciels. Ensuite, une fois que c'est installé, vous allez dans la bibliothèque et vous téléchargez les jeux qui vous intéressent et vous faites pareil sur Steam. Si vous avez des jeux PC VR sur Steam, vous les installez directement sur votre Steam Deck. Ensuite, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, on va aller dans le store Oculus, dans votre Quest, et vous allez acheter cette application. Malheureusement, cette application, elle n'est pas gratuite, donc c'est Virtual Desktop. Donc si vous l'avez, pas besoin de faire ça, vous devez juste l'installer, mais malheureusement on est obligé de passer par cette application pour pouvoir jouer à ces jeux PC VR. Donc moi je l'ai déjà installé, donc elle coûte je crois 19,99€, ou je crois que c'est 19,99€. Donc vous l'achetez, vous le téléchargez, voilà. Et une fois que c'est téléchargé et que c'est apparu ici, on passe à l'étape suivante. Ensuite, une fois que c'est fait, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur le site Virtual Desktop et vous allez télécharger sur votre Steam Deck le logiciel Virtual Desktop qui est, lui, totalement gratuit. Donc, vous cliquez sur Télécharger sur Windows. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé le logiciel Virtual Desktop sur le Steam Deck, on passe à l'étape suivante. Ensuite, une fois que c'est fait, on clique là. Et là, vous allez taper Virtual Desktop, tout simplement. Donc, Donc voilà, ensuite vous cliquez dessus. Ensuite par défaut ça va vous mettre ici. Par exemple si je fais Chen dans Account, il va falloir mettre le nom d'utilisateur Oculus que vous possédez. Donc vous mettez ici votre nom d'utilisateur Oculus, vous pouvez en mettre plusieurs, vous faites Save, voilà. Une fois que c'est Save, vous devez vérifier que le Steam Deck est connecté sur le même réseau Wi-Fi que l'Oculus Quest 2 ou le MetaQuest 2 ou l'Oculus Quest 1 ou le MetaQuest 1. Ensuite, une fois que c'est fait, on ouvre l'application Virtual Desktop directement sur son casque VR. Ensuite, vous allez voir l'adresse de votre Steam Deck apparaître. Vous cliquez dessus pour vous connecter à l'écran de votre Steam Deck. Vous pouvez voir que ça s'est connecté directement à mon Steam Deck. Donc voilà, je suis connecté. Ensuite, j'ai juste à faire ça. Et si je vais directement dans Game, vous pouvez voir que je retrouve tous les jeux que j'ai installés sur le Steam Deck, que j'ai à la fois sur Oculus et à la fois sur Steam. Donc j'ai tous ces jeux. Et on va faire un test en lançant Half-Life Alyx. Donc j'ai juste à le lancer. Voilà. Donc le lancement va prendre un peu de temps parce que j'ai installé Windows 10 sur une carte micro SD. Mais vous allez voir que ça va se lancer comme si je lançais Half-Life Alyx sur un jeu sur PC. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me dire en commentaire si ça a marché pour toi sur ton Steam Deck. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo astuce. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épargne numérique. Après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist. Et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuce Steam Deck. Donc pour l'instant on retrouve que 6 vidéos astuces, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. À plus la team.